Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom à tous les adorateurs. Shalom à tous les membres de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Shalom à vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez dans tout le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et comme Dieu est bon et sa parole nous fait du bien. Sa parole là, quand tu la lis, c'est vrai que ça te bouscule de l'intérieur, mais ça te fait du bien. C'est pourquoi, comme je l'ai dit dans notre cheminement avec le Seigneur, nous voulons ressembler au Seigneur, mais nous avons besoin de lui. Nous avons besoin que son esprit vienne et que son esprit agisse au cœur de notre temps, afin que nous puissions après crier à Dieu, je veux t'adorer. Mais pour t'adorer, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que tu sois présent. J'ai besoin que ton esprit vienne saisir mon cœur. J'ai besoin que mon esprit même soit tourné vers toi, que tout mon être soit tourné vers toi. Alors chantons tous ensemble, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. T'adorer, Père, toi seul es digne d'adoration. Je veux t'ouvrir mon cœur, te présenter ma vie. Je veux saisir le pan de ta robe, mais comment faire? J'ai besoin de ton esprit. Je veux ta parole me toucher, comment faire? Père, voilà pourquoi je veux t'adorer. Père, t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Est-ce que chacun peut élever la voix, commencer à parler au Père? Dites-lui, sortez des paroles agréables. Dites-lui, Père, je t'aime. Père, merci pour le don de la vie. Père, merci pour ce temps que tu me permets de vivre avec mes frères, même si je ne les vois pas, Père. Je suis heureuse parce que je sais que je suis dans la famille des adorateurs. Ma louange se lève vers toi. Je reconnais que toi seul es unique, le véritable de Dieu. Père, merci pour la grâce de la vie, pour le don de la vie. Je dis merci pour la force que tu as donnée pour me remettre encore debout. Seigneur, merci à toi, ô Père. Merci à toi pour tes bienfaits. Mon âme en moi, Seigneur, ne veut oublier aucun de tes bienfaits ce matin. Et te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Oh, merci à toi, Père. Merci, Seigneur. Merci parce que je suis dans le véhicule en commun, transport en commun. Je suis dans le bus. Je suis dans ma voiture. Je regarde. Je vois la création. Je vois des humains qui sont en train de marcher. Je vois des personnes, des milliers de personnes devant moi. Merci, Seigneur. Mais comment ne pas bénir ton nom? Merci, Seigneur. L'homme n'est pas tombé du ciel. C'est toi qui l'as créé. Je veux te dire merci parce que tu as daigné me créer à ton image et à ta ressemblance.
Merci au Père pour mon frère qui est à côté de moi, pour ma soeur qui est à côté de moi, pour la servante qui est à la maison, que tu as créée aussi à ton image et à ta ressemblance, pour le gardien que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes tous frères et sœurs des mêmes pères. Père, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce, mon Père. Je veux célébrer ton nom, mon Père. Je veux magnifier ton nom, mon Père. Oh, Père. Je veux t'adorer, Père. Père, je veux t'adorer. Père, je veux t'adorer. Père, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Père. Dis avec nous, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Nous voulons t'adorer, ô Père. Je veux t'adorer. De tout mon cœur, Père. Seigneur, tu es tout pour moi et chacun en train de te le dire et te le redire comme nous le faisons tous les matins. Tu es tout pour nous. Alors Père, que ta parole vienne encore soutenir nos pas, nos cœurs en ce jour. Le psalmiste dit dans le psaume 1, heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Il dit, l'homme est heureux quand il n'entre pas au conseil des méchants. Nous ne devons pas nous associer avec d'autres personnes pour faire du mal. Il parle de conseil des méchants. Nous devons demander au Saint-Esprit ce matin de scruter nos cœurs. Parce que bien souvent, certains sont prompts à l'église à aider, à faire de grands dons, à faire tout ce qu'il faut. Mais quand ils sont à la maison, c'est une autre personne. Ou au travail, c'est une autre personne. Nous devons être la même personne partout. Il dit, heureux est l'homme qui ne marche pas au conseil des méchants. Je dois déranger le fait de savoir qu'on va faire du mal à autrui. Mais si cela ne me dérange pas et que je m'assois dans ce même lieu pendant qu'on conspire, peut-être que je vais dire, ah, quand ils ont conspiré, moi je n'ai rien dit, mais j'étais assise là. Est-ce que j'ai prié dans mon cœur pour dire, Seigneur, je t'en supplie, change leur pensée? Non, j'ai approuvé. Alors le psalmiste nous dit, heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Je sais que toutes les fois où je me suis assise
ou quand à midi, au lieu de méditer la parole, je suis allée m'asseoir avec ma collègue. Je sais combien de fois nous avons passé notre temps à critiquer. À médire. À vouloir le mal, la mort de l'autre. Alors, il nous dit, heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Il y a une autre version du psaume dans la Bible expliquée, le psaume 1, le verset 1. Il est dit, heureux qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi. Seigneur, tu nous connais. Rien n'est caché devant ta face. Voici nos vies. Voici nos cœurs. Oui, il y a ce cantique que j'aime bien que nous allons reprendre. Mais on a pour l'habitude de dire, tout dépend de toi, Jésus. Tout dépend de toi. Mais nous allons dire ce matin, tout dépend de moi. Tout dépend de moi, Jésus. Tout dépend de moi. Si je le veux aujourd'hui, je peux sortir du conseil des méchants. Si je le veux aujourd'hui, je peux m'abstenir de faire du mal. Tout dépend de moi, Seigneur. Tout dépend de moi, Jésus, oh, tout dépend de moi. Tout dépend de moi, Jésus, oh, tout dépend de moi. Tout dépend de moi, Jésus, oh, tout dépend de moi. Tout dépend de moi, Jésus, oh, tout dépend de moi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, tout dépend de moi? Tout dépend de moi, Jésus, oh, tout dépend de moi. Tout dépend de moi, tout dépend de moi, Jésus, oh, tout dépend de moi. Tout dépend de moi, tout dépend de moi, Jésus, Jésus, oh, tout dépend de moi. Décision me revient. Tout dépend de moi, Jésus, oh, tout dépend de moi. Tout dépend de moi, je veux décider de t'adorer. Tout dépend de moi, alors je décide de marcher à ta suite. Tout dépend de moi, alors je décide de faire du bien. Père, tout dépend de moi, alors je décide de marcher comme tu veux. Tout dépend de moi, tout dépend de moi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble pour dire au Seigneur, en réalité ce matin, tout dépend de nous. Et nous allons prendre la ferme résolution, Seigneur, de ne pas entrer dans le conseil des méchants. Tout dépend de moi, tout dépend de moi. Tout dépend de moi, tout dépend de moi, tout dépend de moi. Tout dépend de moi, tout dépend de moi ce matin. Tout dépend de moi, Jésus. Tout dépend de moi, tout dépend de moi, tout dépend de moi, oh Jésus. Tout dépend de moi, Seigneur. Tu dis heureux à l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Seigneur,
tous les matins, nous sommes là dans ta présence. Je t'en supplie, envoie-nous ton esprit. Envoie ton esprit qui puisse nous soutenir tout au long de cette journée. Que ton esprit nous soutienne afin que toutes les décisions, tous les pièges que l'ennemi tend devant nous pour nous faire entrer, Seigneur, au conseil des méchants, pour nous faire nous asseoir à la table de ceux qui ricanent, qui se réjouissent du malheur et de la souffrance des autres. Seigneur, envoie ton esprit. Renouvelez nos pensées. Renouvelez notre esprit. Envoie ton esprit. Nous renouveler, Seigneur. Demande au Seigneur que le Saint-Esprit vienne te remplir ce matin pour que tu puisses encore. Remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Ah, Seigneur. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, Saint-Esprit. Oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Dieu Saint-Esprit, viens, viens prendre le contrôle de cette journée. Oui, viens. Contrôle de mon cœur, de mes regards. Ma bouche, maintiens-toi devant de mes lèvres, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Saint-Esprit, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi, Saint-Esprit. Mon cœur a besoin de toi. Oh, oui, viens. Chacun demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. J'ai besoin de toi. Oh, oui, viens. Saint-Esprit, oui, viens. Oh, oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Parce qu'en réalité, si tu ne viens pas dans nos cœurs, si tu ne viens pas sur nous, les adorateurs, ce matin, nous aurons du mal
à fuir l'assemblée des moqueurs. Nous aurons du mal à quitter le chemin des pécheurs. Nous avons besoin de toi. Nous voulons murmurer les lois du Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens éclairer nos vies. Viens nous éclairer, Saint-Esprit. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Viens nous orienter, Saint-Esprit. Je sais que tu agis puissamment dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Que chacun demande au Saint-Esprit, parce que sans lui, nous ne pouvons pas. Et nous ne pourrons pas. Alors nous avons besoin de lui. Viens, Saint-Esprit. Comme l'eau couvre le fond des mers. Seigneur, répands ton esprit. Ton esprit qui nous conduira. Seigneur, déverse ta gloire sur nous. Comme l'eau couvre le fond des mers, oh Seigneur, déverse ta gloire sur nous. Comme une fleur qui répand son parfum, oh Seigneur, répand ta gloire sur nous. Comme l'eau couvre le fond des mers, oh Seigneur, Seigneur, déverse ta gloire sur nous. Comme une fleur qui répand son parfum, oh Seigneur, répand ta gloire sur nous comme l'eau. Comme l'eau couvre le fond des mers, Seigneur. Couvre le fond des mers. Déverse ta gloire sur nous. Déverse ton esprit sur nous. Déverse ta gloire sur nous. Comme une fleur qui répand son parfum, Seigneur. Comme une fleur. Répand ta gloire. Ensemble, que mon cœur soit rempli de sa gloire. Sois rempli de sa gloire. Glorifié est son nom. Que mon cœur soit rempli de sa gloire. Que mon cœur soit rempli de ta gloire. Que mon cœur soit rempli de toi, Seigneur. Alors, je n'entrerai pas au conseil des méchants. Je ne suivrai pas le chemin des pécheurs. Je ne m'assiérai pas, Seigneur, avec ceux qui ricanent.
mais je pourrais méditer tes lois jour et nuit, les murmurer. Mon frère, ma sœur, à ta pause, j'aimerais que tu médites le psaume 1. Que sa grâce, que son esprit, qu'il a répandu dans nos cœurs, nous aide en cette journée à nous retenir devant certaines réactions que nous avons souvent. Que la force de l'esprit nous aide. Et que chacun se sente aimé du Seigneur, parce que je sais que Dieu nous aime tous. Que lui qui vit et règne au siècle des siècles nous bénisse. Amen. Amen. Des siècles. Amen. Amen. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon.